Salut tout le monde, c'est Linkus et aujourd'hui Minit. Alors Minit, voilà, un jeu d'aventure. Comment je pourrais dire? Pixelisé 2D de couleurs. Faites pas chier quoi. Moi j'avais testé hein, pour voir. Donc nouvelle partie. Et donc, petite particularité de ce jeu. On a notre petit canard, je sais pas, c'est un petit bonhomme, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et voilà, on y va, plateau par plateau, on avance, un jeu Game Boy, hein, en somme. Mais, comme je disais, avec une petite particularité. Donc on fouille hein, au début, on se balade, on fait rien, on récupère cette épée. Nouvel objet épée, attention, hein, ça balance. Et on voit un petit curseur en haut s'afficher 59. Et c'est le temps qu'il me reste avant de mourir. À cause de cette épée maudite. Et donc tout le sel de ce jeu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une vie d'une minute. Et il faut débloquer des petites énigmes, des petits trucs, avancer le plus possible. Et à chaque fois qu'on meurt, on revient à sa maison. Avec. Bonjour. Ah non, mais on l'aura jamais, lui, il parle tout lentement. Ah, faut une clé, certainement. On revient avec les objets qu'on aura débloqués ou ce genre de choses. Les. Voilà, doucement. Achète-toi là, t'es pas de mammouth. Comment ça? Je préfère la terre, chacun ses goûts. Ah oui, c'est un poisson sur terre. Il va bien. Et donc je meurs. Temps écoulé, appuyez sur hop, voilà. Et là, je repars avec mon épée directement. Je suis chez moi. Attendez, il n'y a pas. Mais si! Tu as trouvé une pièce. Magnifique. On peut péter d'autres trucs? Putain, j'ai pété ma table. Le lit? Non, il me reste déjà plus que 43 secondes. Il fait sombre là-dessous, prudence. On y va? Ah bah non, on voit rien. En même temps, ils viennent de me le dire. Ah, une petite crotte vient me le dire, je sais pas ce que c'est. Et donc, malheureusement, je me suis spoilé un petit peu, mais pas trop. Parce que forcément, hein, si l'ambiance du jeu vous plaît et qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous dites ah, ça a l'air pas mal, j'ai envie de me l'acheter. Bon, 10 balles. Hein. Ne regardez plus. Ne regardez plus parce que je compte finir ce jeu, certainement. Et on va falloir avancer. Hein. Et forcément, bon, au niveau replay value, il n'y a pas énorme, j'imagine. Dès qu'on découvre les trucs, après c'est foutu, on les a découverts. Si vous l'avez vu. C'est un peu dommage. Attendez. Ah, le pot! Le pot, il y avait une entrée en dessous. Je me disais merde, j'arrive pas à le péter. Je suis même pas allé dans la maison en dessous là. Vite! Vite, dépêche-toi, ça va être le mot. Le mot vite. Si seulement quelqu'un s'occupait de ces 5 crabes, c'était bien plus animé ici avant. 5 crabes, on a 3 là-haut, non? C'est mort, j'aurai jamais le temps. Paf! Tiens, prends ça. Épée maudite, mais épée efficace. Ah non, mais moi j'ai envie de tout fouiller, hein. C'est ça mon problème dans ce genre de jeu. C'est que j'ai envie de tout découvrir. Et le panneau, il dit quoi? Ah ben non, c'est pas le panneau, c'est ma boîte aux lettres. Autant pour moi. Putain, c'était où du coup? Ah, la mémoire aussi, ça va être compliqué. Hein. Bon alors, hop, oui, ok, les crabes. Les petits crabes, là, ça marche pas, là, les petites merdes. Ah ben, il s'est barré. Je peux pas l'écraser. Ah non, zut. Mais il y avait un mec en plein milieu, je vais même pas parler. Deux crabes. Et les trois sont là-bas, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit lui? Tu as une de ces maudites épées. Passe à la djinn le plus tôt possible. Ah, il y a moyen d'enlever la malédiction ou un truc comme ça, je sais pas. Hein. Ça le truc, peut-être qu'il y a possibilité de rallonger le temps.
mais j'en doute fortement. Va vite. Mais dépêche-toi, putain. 4, 3, 2, paf. Nouvel objet, café, une seconde. Ok, j'ai le café. Un café cadeau de la maison, essaie de bouger une caisse. Ah. J'ai le café, je peux bouger les caisses. Bon, j'ai vu qu'il y avait des caisses là-bas, donc... Et bon, et comme je vous ai dit, j'ai vu le début du jeu, hein, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. C'est ce qui m'a fait acheter le jeu et apprécier ce jeu. Mais, vas-y. Là, je me fais un petit pont dans la flotte. Si j'y arrive avant le temps imparti. Un coffre. Oh, oh, le gros coffre. Le gros coffre avec une pièce dedans. Bon, apparemment les pièces sont rares, donc je préfère la terre ferme. Y'a pas moyen de... Aïe. 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 Ouais, y'a pas moyen, c'est pas comme la jarre là à droite qu'on peut péter. Alors il y a aussi le petit détail où j'ai un bouton pour me suicider. Parce que bon, à des fois on voit que c'est foutu et... Il y avait un pont là tout à l'heure, j'ai même pas fait attention. Des fois on voit qu'on a plus le temps donc on se suicide et on revient quoi. Il y a un mec dans l'eau. Un mec. Le chat d'éclair ici, merci. Merci, alors toi vraiment... Je sais rien. L'arrosoir. Ah! Y'a rien là-dedans. Moi je prends l'arrosoir. Fais pipi. Attendez, je vais l'arroser ce coup. Je peux aller un peu dans l'eau, mais au bord. Mon personnage apparemment ne sait pas nager, ou en tout cas pas encore, peut-être. Peut-être qu'il y a moyen de. Mon épée est là. Attendez. Ah mais vas-y. Je repars avec mon épée. Voilà, on a l'arrosoir juste à côté de la maison, c'est parfait. Il y a moyen de faire pousser cette plante là. Il n'y a pas une mode plante ailleurs, on peut pas faire pousser d'autres trucs. Ah mais je vous l'ai dit, hein, j'ai un problème moi pour ce genre de jeu, petit jeu d'aventure à la con, mais... Et j'ai envie de tout débloquer. Ah, je pense que ce sera à chaque mort. On va pouvoir remettre un petit coup de... un petit coup de flotte. On n'est pas allé là-haut. Ah si, on est allé. On est allé Ah mais maintenant je peux pousser la caisse. Qu'est-ce que... je répare le pont si tu t'occupes de ces... Cronailles. De ces canailles, j'imagine. C'est Croanaï. Croanaï. Ah, c'est des grenouilles canailles. Apparemment. Alors, je sais aussi qu'il y a des trucs planqués hein, dans le jeu. C'est-à-dire des... On peut péter des murs, ce genre de choses, quoi. Ouais, mais je pouvais pas aller là-bas. Qu'est-ce que je peux faire, maintenant? Ah, l'arrosoir. On a peut-être un compteur de mort. Ah, un nouveau cœur. J'ai 3 cœurs, parfait. On reprend quand même l'épée, on a plus que 30 secondes, on se casse, on meurt. On reprend direct à 60 secondes, c'est bien mieux. On est à la maison de toute façon, on perd pas de temps. Il faut jouer comme ça de toute façon. Voilà, c'était bon. On a le truc à gauche, mais je peux pas. Ici. Ah, la clé. Clé du phare. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y avait le vieux aussi qui parlait tout lentement. Peut-être moyen de... Faut y aller tout de suite, en fait, le vieux, le voir. J'aurai jamais le temps, c'est sûr.
Lampe torche. Ah, lampe torche pour... Regarde, je me suicide dans l'escalier. pour les... Voilà, pour les souterrains, quoi. Pour y voir plus clair. On avait ce passage secret, là. Voilà. Ça y est, je vois. Je vois où je vais. Même si c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est cette merde? Une chauve-souris. Le grand classique, la chauve-souris. Ah, la grille s'est ouverte. J'ai tué tous les monstres, j'imagine, c'est pour ça. Non mais ça n'en finit plus. Ah si, on peut remonter là. Une piécette. Une piécette pour ce bon monsieur. Ah, c'est tout ce qu'on aura ici, quoi. Il y avait un autre passage, non? À droite, là, tout de suite, quand à l'escalier. Peut-être moyen. On y retourne. Bon, voilà, je parle pas des graphismes, parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes, mais... c'est sûr que si on n'accroche pas ce genre de conneries... Ah mais non, mais il n'y a pas de passage, en fait, j'ai cru, mais pas du tout. Mais c'est le concept, hein. C'est le concept, surtout. Plus que les graphismes. Et la jouabilité, bon, voilà, il y a deux boutons, hein. Croix et rond, quoi. En l'occurrence, là, sur PS4. J'aurais jamais assez le temps de visiter tout ça. Il y a moult serpents. Est-ce que quand on les tue tous, il y a un truc qui apparaît? Comme tout à l'heure? J'allais dire, on entend un bruit, mais non, c'est le boum 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 pour dire tu vas crever. Ok. Apparemment, il n'y avait rien, juste une sortie. On va prendre la sortie, on va pas se faire chier. Oui, oui, je sais. Des ossements. Oui, oh, oh, la vache. Bah, c'est plus le taureau que la vache, mais bon. J'ai pas vu venir ce fumier. Tiens. Paf. Le cœur. J'ai coupé le taureau en deux et j'ai pris son cœur. Ok, c'est parfait. Vite, continue. Des flèches en bas, des flèches à droite, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'était? Campement du désert. Fabricant de panneaux, Oscar du meilleur panneau. Qu'est-ce que c'est? Tu emménages dans cette maison? Bon, les mecs... Ah, j'ai cassé la lampe. Les os. C'est pas une maison, hein. C'est une caravane. Mais du coup, ah voilà. Alors quand je meurs, je reviens ici. C'est ça que ça veut dire? Pas mal. Attendez. Putain, j'étais persuadé qu'il y aurait eu un truc planqué là. Je tape dans les murs, hein. Je sais qu'il y a des passages secrets, mais peut-être que c'est visible. Il y en a peut-être des pas visibles, c'est ça le truc. Solderie des baskets. Celle des déserts qui finit jamais. Le sable, j'ai passé l'âge. Ok. Lui, il ne dit rien. Ah là. Ah, c'était grillé. Bienvenue à la solderie des baskets. Je te fais la paire à chaussures Velos à 7 pièces d'or. J'ai combien? Non, mais j'ai combien? 3 pièces d'or. Bah non, mais on va pas s'entendre. J'ai bien peur qu'on ne s'entende pas. 8 secondes. On peut tout péter. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah! Sur le chrono. Sur le chrono, il trouve une pièce. Dans la poubelle. Alors, je reviens ici. Voilà, on va voir en bas. J'ai eu un trophée ponctuel. Flèche en bas. Naufragé du désert, quelqu'un pour l'aider. Moi, je m'en vais dans le désert, c'est la mort. On a un mec. De l'eau. De l'eau. Elle bouge pas, j'ai un arrosoir. J'aurai jamais le temps de faire l'aller-retour. Mon arrosoir magique, même s'il est infini.
Donc voilà tout le concept hein, du jeu. C'est on se démerde à faire, à trouver des petites quêtes et à débloquer des trucs. Tu m'as sauvé la vie, passe donc me voir chez le fabricant de panneaux. Le fabricant de panneaux, mais on n'a pas trouvé de fabricant de panneaux. Putain, je pensais qu'il m'aurait donné un truc direct, c'est quoi, c'est la mer? Qu'est-ce que c'est? Ah, bah mais je... Un scorpion on aurait dit, mais je suis à l'arrosoir. C'est sans fin. Et il meurt, sur la plage, seul. Fabricant de panneaux, on avait vu, solderie de basket, non? Solderie de basket. J'avais cru voir un panneau à un moment. Eh, hey, on est pas loin des baskets. On est pas loin. Ah. Ça passe ou pas ça? Et pourquoi il veut pas le pousser? Ah, oh, le pixel quoi. Ah mais il m'en manque un. Comment? Mais non, mais mon plan était bon. Ça passe peut-être en haut, mais en haut je pourrais jamais. Mais non, mais merde, comment je fais? Temple secret. Ouais, c'est pas tellement secret si tu mets une flèche. Temple secret à droite, mais à gauche il y a un passage là. Il y a un bûcheron. Je me suicide. Fabricant, bah voilà, c'est ça. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Sable mouvant. Ça va, ça passe. Merci de m'avoir sauvé. Récupère l'objet à l'ouest d'ici. Puis passe me voir sur mon bateau. Décidément, toi. J'ai cartographié le monde entier. Le fantôme lanceur d'épée de l'Oasis est une légende. Je peux pas prendre ça si là. Fabuleux fabricant de panneaux. Ah vite, va chercher l'objet, on t'a dit. Oui. Mais il est pas tout de suite l'objet. Il est où l'objet? Ah bah les usines. Ah, y a un gant. Un gant de jardinage. Ah bah les usines, ouais. Ah mais je peux péter les... Ah c'est ça le gant de jardinage peut-être. Attendez, il y a pas un objet. Alors épée, café, l'idéal pour bien débuter la journée, cela te permet de déplacer les caisses, ok. N'éclaire-t-il pas ton... Alors en donjon, aucune porte du phare ne te résiste, ouais ok. Arrosoir gratuit, il t'attend près de ta maison, ok. Évite les échardes lors de la coupe d'arbres. Et me revoilà couper de l'arbre. Dans tous les jeux, faut que je coupe des arbres. Alors, on me demande pas de le faire là en l'occurrence. C'est moi qui veux le faire tout seul, mais. On pète tout. Putain, mais ça me sert à quoi de couper des arbres? Quoique, s'il y a des passages. Parce que là, du coup, je peux passer tout de suite comme ça. Salut encore, merci, passe me voir sur mon bateau près du phare. Et il a laissé une lettre, au cas où si j'ai oublié ce qu'il m'a dit. J'avais cru voir un passage là-bas. Ah, on peut revenir directement ici. Ah bah attendez. Il y a moyen de... Voilà, tu emménages dans cette maison. Ok, je reviens dans cette maison parce que maintenant qu'on a... On a l'épée qui casse tout. Et là, tu nous as dit sur le bateau, on avait vu un bateau en bas à gauche là. Oh, t'as toujours le même discours. Passe à l'usine, mais tout le monde a dit à bas l'usine. On n'a pas encore trouvé l'usine de toute façon. J'ai besoin de bois à bateau. Mais un seul arbre convient, celui près des serpents. Il se fout de ma gueule, hein. Tu te fous de ma gueule. Le vieux, on a encore 34 secondes, c'est bon. Bonjour. J'aime. Allez, bruit.
des vagues. Parfois, je fais signe au bateau. Putain, on n'est pas sorti. Ah bref. Le trésor, oui. Gare au requin, mais je m'en tape, vas-y. Oui. Nage vers l'ouest, mon ami. Puis, oh, et t'es mort. Putain, bande de bâtards. Ouais, vite. En bas. Ah, c'est reparti. Alors, bonjour, oui, bonjour. J'aime le bruit. Mais dépêche-toi. Enfin. Il parle un peu comme les animaux d'Animal Crossing. Si vous avez fait Animal Crossing. J'aime beaucoup ce jeu Animal Crossing, bizarrement. Y a rien à faire, mais... Alors, nage vers l'ouest, ok. Car au requin. Puis, au rocher, émergé. Putain. Cap au sud. C'est bon. Nage vers l'ouest, puis au rocher émergé, cap au sud. Mais je peux pas nager. Accessoirement, je peux pas nager. Ici, qu'est-ce qu'on avait? À gauche, là, on avait... Là! Attendez. Non, mais je me dis, il y a peut-être un truc planqué. Je vous entends déjà dire, mais pourquoi il coupe tout l'arbre? Coupe-en un et passe, quoi. Mais peut-être qu'en pétant l'arbre complet, il y a un truc. Pourquoi il me tire dessus, c'est fumier? Ça va, il y a le muret. Je peux rien faire ici. Attendez, il y a un petit truc là. Ah non, ça fait rien. Parce qu'on avait vu tout à l'heure. Ah, je peux pas. Et il y a un truc dans l'eau là-bas. Vous avez vu, hein? Il y a un tentacule. Et oui, un tentacule. On y retourne. On y retourne, mais cette fois-ci plus vite, plus vif. C'est quoi cette musique qui s'ambiance là tout de suite? Mais ah ouais, mais j'allais dire, il m'a tapé lui. Putain, mais ils font super mal! Je me casse. C'est quoi? Glou? Glou glou? Glou glou glou? Elle sort ta tête! Faut peut-être tuer tout le monde. Qu'est-ce que c'est? L'hôtel. Vite. Ta chambre, après, ramène-toi. Ah là, c'est là-haut. Non, mais on veut même pas lire les messages, mais c'est important de lire les messages, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces conneries. Alors, attends. Attends, attends. Pète-moi ça. Ah, l'arrosoir est là. Les toilettes. Putain, c'est pas tellement fermé les toilettes, hein, c'est... C'est au bon vouloir là. On a l'arrosoir, mais on n'a pas tellement. Ah, j'aurais pu arroser une plante limite. Alors ramène-moi plus de clients et j'ouvrirai plus de chambres. Bah ouais. D'ailleurs, je connais personne. On va bien trouver quelqu'un. Attendez, il y a un truc là à droite. Pourquoi je ne peux? Il passe son temps à l'hôtel alors qu'il n'y a rien. Je peux pas monter. Il y a une poubelle là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah non, il y a rien. Oh! Oh les mecs, planqués! La panique d'un homme. Bon, allez, faut qu'on fouille. Alors tourne un peu à gauche parce que là on s'éparpille. Alors on voulait tuer ces trois mecs là. Ouais, mais ils me font trop mal aussi, faut que je fasse attention.
Oh bien, la double touche. Paf, paf, paf. Ah, c'est bon, j'ai tué tout le monde. Sors ta tête. Glou, glou. Il tape dans les murs, il ne sait pas ce qu'il cherche, mais il essaye. On sait jamais. Non, mais c'est tout ce qu'il y avait, en fait. Ici, ouais, on a tout fait, donc... Suicide-toi, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça. On s'appelle, on se fait une bouffe. Eh, vous là-bas! Ils ont coupé le pont de l'usine! Ah, l'usine est là! Quoi, but? But? But eux-mêmes? C'est sombre ici. La mine? Ah, notre patron est un voyou. Je suis en grève. Mais quel patron n'est pas un voyou, enfin? Le boulot, il y en a marre. Je vais larguer les amarres. Ouais, non, mais c'est pas lui que je voulais taper. Et là, là on peut passer, là, quoi? Non, on peut pas. Ça, c'est quoi? J'ai envie... Eh bien, une bombe! Alors, bon... Ah, le connard. Alors, bon, petit conseil, dans la vie de tous les jours et en jeu vidéo, quand il y a une bombe et que vous avez une épée, ne tapez pas dedans. Conseil, hein. Petit conseil. Faites-moi confiance. On y retourne. On y retourne, mais cette fois-ci, on est moins con. Je voulais parler au mec, là. Il y avait un mec à gauche. Le boulot, ouais, ouais, le boulot, il y en a marre. Je sais ce que... Alors, comment faire sauter ces bombes sans exploser avec? Je suis fichu. Alors, sache que, bon, on en a discuté entre nous. Effectivement, c'est compliqué. Ah, on y est? Mais je peux pas passer, il y a de l'eau. Ah, c'est pas possible. Notre patron est un oui. Ouais, je peux pousser ça, mais ça ne sert à rien. Il faut arriver de l'autre côté, c'est ça, mais il y a pas de passage en bas. Il cherche un passage secret désespérément. Bon. Du coup, là, ça sert plus à rien d'y aller. Parce qu'on a vu, on n'a pas ce qu'il faut, j'imagine. Ah, je me suis fait griller, d'accord, je rentre à l'hôtel. J'étais mieux sous ma caisse. Bah ouais, qu'est-ce que tu foutais sous la caisse? Bah non, mais j'ai poussé une caisse, je me suis dit un truc. Effectivement. Alors, je t'ai ramené quelqu'un, toi. Mon client préféré a perdu son portefeuille. Ou alors, il est radin. Ah, ça déchire ici. Le salaire est nul, mais c'est un boulot pour se faire connaître. Ok. Bah, je t'ai ramené du monde, hein. Je sais pas d'où il vient, lui, mais... Ouais, non, non, mais suicidons-nous. Bon, bah, en haut, du coup. Ah ouais, c'est vrai. Viens ici, toi. Il tape pas, déjà, lui. Ah, la flèche. Viens ici, archer de malheur. Tiens, fumier. Ah, c'est tout. Je pensais qu'on aurait débloqué un truc, moi. J'attends toujours qu'on débloque des trucs, moi, dès qu'on... Je tape avec mon épée. Comment ça, j'ai rien débloqué? Il y a un truc, là. J'ai perdu ma carte de crédit. Tu peux m'aider à la retrouver. Froid. Ah, putain. Un peu plus chaud. Ah, le couillon. Mais j'ai pas que ça à faire, tu chauffes. Il me faut une pelle. Un peu plus chaud. Ah mais non, mais j'avais pas le temps, forcément que j'avais pas le temps pour faire ces conneries là. C'est pas possible. Vite. Alors c'est où? En haut. En haut, après à gauche ici. Non mais laissez-moi. Laissez-moi, vous dis-je. Alors. Alors, la carte de crédit, vas-y. Froid, ok, on est d'accord, c'était par là. Un peu plus chaud, ok. Tu chauffes. Un peu plus chaud. Tu chauffes.
Je chauffe toujours. Un peu plus chaud. Je suis brûlant ou quoi? Tu chauffes. Ah, ça y est, c'est par ici. Elle est où ta carte de crédit de malheur là? Tu chauffes? Bah ouais, je chauffe, mais alors? J'ai pas de pelle en même temps. Peut-être une pelle pour creuser quoi. Un peu plus chaud. Non, mais tu te fous de ma gueule. Je te déteste. Alors, c'est le problème aussi hein, dans ce genre de jeu. C'est qu'on peut. On trouve des trucs, mais. On se dit, tiens, c'est sûr, c'est ça à faire. Mais des fois, il manque un objet, ou des fois, non, et on se dit qu'il manque un objet. Mais en fait, c'est juste qu'on est nul. Voilà, c'est grillé. Ah, 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 c'était un mur à pousser. Un cœur. C'est un cœur magnifique. C'est vrai qu'il nous faut 7 pièces aussi. On n'a pas trouvé de pièces là, dernièrement. On en avait 5, je crois. Attendez, ça marche comment? Bref. Bonjour, c'est moi. Oh. Qu'est-ce que... Mais non, mais je dois plus être maudit vu que... J'ai changé... J'ai changé mon épée contre un os. Il y avait une maison, on pourra pas voir l'intérieur, malheureusement. Il a trop déconné avec son os. Non, mais il y a des trucs partout aussi. Vous m'emmerdez. Est-ce que je prends l'os? J'en sais rien, moi. Ça sert à rien, l'os. Non, ça fait flipper, ici. On monte. Non trouvé? Trouve-toi toi-même. Quoi? Tu n'es de réalité que subjective. On a écrit ça ensemble, Marie. Ceux qui s'achèchent rechargent la routine qu'ils font. Rien ne vient de rien. La vie est prisonnière du temps. Quoi? Tu es au bon étage. Tu es au bon étage. Ah? Salut, moi c'est Marie. Si tu restes au bon étage, on te rentrera à coup d'indice. Ma gueule. La vie est prisonnière du temps, rien ne vient ici. Ceux qui s'agissent. Hein. Paf, la mort. Non, mais moi je voulais des indices. Un bel indice. Long. De couleur rouge. Il y a un truc là dans les arbres. Ah, derrière l'arbre, vous avez vu, ça clignote. Ah, il y a un hôtel. Je vais m'y cacher. Ouais, vas-y, je ramène du monde. Je sais pas pourquoi je le fais, mais je ramène du monde à mon pote hôtelier. Ah, on est en haut du barrage. Et donc? Bah, le barrage, non, c'est pas un barrage, c'est... La mort, quoi. Vous pouvez peut-être pousser les tombes. Étonnamment, j'y ai pas... Qu'est-ce qui... Attendez, il y a un mec, là. Ah, c'est lui. L'usine à épée est juste à côté d'ici. Dépêche-toi, s'il te plaît. L'usine à épée. Qu'est-ce qu'il dit? Mon client préféré a perdu son portefeuille. Bah ouais, non mais je sais. Je sais, il a perdu sa carte de crédit, c'est bien lui qu'on parle. Bon, je retourne un peu en arrière parce que j'ai l'impression qu'il manque des trucs là. Oh, doucement, doucement. Il y a un tentacule, ok. Là, il y a un passage, mais on sait pas. Il y a ces couillons, on peut pas passer. Là, il y a des arbres. J'ai plus que 12 secondes, merde. Vite. Non, j'aurai jamais le temps. Ah, je voulais retourner à ma maison. Je voulais retourner à ma maison. Parce que je retourne à l'hôtel, je suis bien trop loin. Vite.
Allez. Et Glou, bah ouais, non mais t'es gentil, Glou. Mais... Sois pas con, reste pas bloqué sur le pont. On va faire le point. Tiens, reprends. Je sais pas pourquoi, mais prends. Qu'est-ce que c'est? Ah, le fameux bois bateau à côté des serpents, parce que ici c'est les serpents. C'est ça qu'il avait dit. Hein. Ah, d'accord. Ok. Bon, on peut faire un tour en bateau alors. Moi qui me demande encore un truc, ce qui serait pas étonnant. Salut mon pote. Laisse-moi le temps de réparer, puis je t'emmène en croisière. Bah bien sûr, fouteur de, hein. Bien sûr. Arrache-toi, t'es pas de ma meute, mais comment ça? Ça manque de musique. J'en pouvais plus de ces crabes. Mais tu rigoles quoi? Super musique. Ah non mais il faut trouver la bonne musique, c'est ça? Je suis en train de devenir fou. Ah non mais salaud quoi. Salaud, j'ai tout fait. J'arrive, je vais te trouver ta musique. Ah, les trophées là. Vous pouvez pas les voir mais ça se débloque à une vitesse. Ça me déprime, ringard. Ça donne mal au crâne de voir ces bandes s'afficher là de dialogue. Non mais t'es jamais content. Ah, ça c'est de la musique, ça file la pêche, non? Quoi, c'est tout? Mais attendez. Il s'est foutu de ma gueule. Il s'est foutu de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ah, c'était l'arrosoir. Ah mais j'ai cherché sa musique et tout, pour tout ça pour rien quoi. Ah mais je peux peut-être aller voir le pote. Alors que c'était quoi ici? Ah ouais c'est vrai qu'il y avait l'usine là, je sais pas quoi. Ah bah l'usine. Mais il y avait rien de plus en fait ici. Je casse tout. Dans le doute, je casse tout. Bon. Le bateau, du coup. Maintenant, c'est bon, je suis mort 15 fois depuis. J'ai eu le temps de le réparer, son bateau. Il est là, il est là, il est frais. Embarque, bah, c'est parti. Je peux faire quelque chose ou... Non, je peux rien faire, je me laisse guider, quoi. C'est beau, hein. C'est beau, la mer. Magnifique. Un tentacule. Un tentacule, pardon. C'est tellement pas intuitif de dire un tentacule. Alors que ça devrait. J'ai défoncé un tentacule. Allez, on voyage, hein. J'adore cette île. Ça t'aide de venir pêcher dans une minute. Dans une minute.
Écoute, c'est-à-dire dans une minute, ça va être compliqué parce que dans une minute, je suis mort. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Un petit moustique à la con là. Vous entendez ça? Je me suis trouvé une petite île. Eh oui, c'est barré l'autre. Mais attendez. C'est barré le fumier. Putain, l'arbre. Oh, y a un truc. Il y a une clé. Le mec, il a planqué là déjà. La clé de la cave. Il y a une cave. Oh. Capacité 0%, ouest erreur, est erreur, sud erreur. Oui. C'est-à-dire. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Ah. Petit coup de sous-marin. Petit coup de sous-marin. Ah. Alors là, si vous avez joué à Zelda, Zelda 2, toujours à droite. Putain, ça marche. Ah non, je suis parti dans une boucle. C'était trop beau. Putain, je me suis dit merde, je vais y arriver du premier coup. Non, mais non. Forcément que j'y arrive pas du premier coup. Je reviens au point de départ. J'ai envie de mourir. Ouais, ça y est, c'est fait. Mais voilà, dans Zelda 2, on a un endroit comme ça. Où c'est exactement pareil. Mais sauf que c'est pas juste des téléportes, hein, c'est des endroits à fouiller. Et c'est toujours à droite. On avait bien. Ça avait bien marché ça. Ah bah en bas, je suis con. Ah non, je peux pas y aller. On l'a trouvé. Terminal erreur. Ah, terminal, ok, bon, faut. Je suis un réparateur hors norme. J'ai mis un coup d'épée dedans, c'est bon. C'est bon, c'est réparé. Ah non, mais là, c'est foutu maintenant. Je n'arrive plus à sortir, bon. Meurs. En même temps, c'est juste là, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Capacité 33%, bah c'est bien. Ouais, mais. D'accord, mais c'est où le reste? Ah, visiblement, c'est pas ici, quoi. En même temps, j'ai pas encore fouillé, là, ah, les palmiers, d'abord. Attendez, il y a un cadavre. Rien. Terminal erreur. Ah! Au pif, hein. Au pif, mais dans ce genre de truc là, faut pas hésiter. Ah là, on est obligé de mourir. Mais on est coincé sur cette île aussi. Il nous a baisé l'autre. Il nous a déposé, il s'est barré. Ah, il m'a rendu un fier service, hein. Fumier. Ah, oula, oula. Attention à la caisse. Ah. Tu luttes. Tu luttes. Tu luttes? Ah non. Terminal ok. Ah voilà. Ah bah attendez. J'ai l'air, j'ai pas pété ça, mais si, je l'avais pété déjà. Alors. Ah. On a déjà vécu des minutes difficiles, mais jamais à ce point. Capacité 100%. Ok, ok, je vais dans le portail. On est où, là? Zone 66. Il y a un mais qu'est-ce que... Attendez, attendez. Zone 66. Pourquoi il y a un... Vie 43. Ah bah ça y est, il y a un compteur. Ah merde, découverte 39%. Objet 8 sur 16. Pièce 5 sur 19. Cœur 3 sur 6. Ok. Mais comment je me barre d'ici aussi? J'ai loupé un truc là. Il y a un escalier là.
quoi. Ah mais parce qu'il faut le prendre comme ça. Ok. On est revenu à la maison de départ. Donc maintenant on a un truc pour se téléporter d'endroit en endroit. Et on voit ici il y a une petite trappe. Et là aussi. Donc ça doit être pour se téléporter aux deux autres maisons qu'on a trouvées. La caravane et l'hôtel en fait. Donc c'est bien. On a un truc de téléporte de maison en maison. C'est parfait. Bah en fait on va s'arrêter là. On va continuer, hein. Vous avez vu, on est déjà à un tiers du jeu. C'est un jeu pas très long. Mais bon, il me reste 45 secondes pour vous dire au revoir. Mais c'est. Voilà, c'est prenant comme jeu. C'est vraiment original, on va dire. Le délire des 60 secondes, c'est bien pensé. Et des petits moments fun. Voilà, tout ce que j'aime, quoi. Donc on va se retrouver là-dessus, hein. Probablement pas tout de suite, mais on va continuer gentiment. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à bientôt. Allez, salut.